Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va voir la recette d'un anti-pelliculaire que je sais que vous allez aimer. C'est facile à réaliser avec les trucs que vous trouvez sûrement chez vous. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aussi les acheter. Moi, je suis en train d'utiliser des plantes que j'ai à la maison. Comme je vous avais dit, j'ai commencé avec un potager, donc j'ai ces plantes-là chez moi et vous pouvez les trouver n'importe où. J'espère que la vidéo vous plaira. Vous pouvez aussi utiliser cette recette-là si vous avez les cheveux défrisés, naturels, sous tresse, sous coiffure protectrice ou tout simplement les cheveux lâchés comme ça, vous pouvez aussi les utiliser. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais utiliser une tasse pour pouvoir réaliser l'infusion. Vous pouvez utiliser n'importe quel récipient qui supporte la chaleur. Pour commencer, je vais utiliser une plante qui s'appelle menthe poivrée. Ok, c'est une plante qui a de nombreux bienfaits pour les cheveux. C'est une plante qui aide à combattre les pellicules, qui aide aussi à stimuler la pousse des cheveux. Le deuxième ingrédient qu'on va utiliser, c'est le romarin qui aide à combattre les pellicules et qui aide aussi à stimuler la pousse des cheveux. Je vais prendre juste une petite quantité de feuilles de romarin que je vais utiliser dans la recette. Le troisième ingrédient que je vais utiliser dans la recette, c'est des feuilles de menthe qui aident à combattre les pellicules et aussi qui aident à activer la pousse des cheveux. Donc voilà, ce sont les trois variétés de feuilles ou de plantes que j'ai utilisées dans la recette. Je vous jure qu'elles sont trop bonnes. Ces feuilles-là sont trop bonnes. Je les adore. Donc je les ai lavées bien sûr avant de les utiliser dans la recette. Pour donner un petit plus à la recette, j'ai utilisé un morceau de citron. Vous savez, le citron élimine les pellicules et toutes sortes de démangeaisons et aussi c'est un exfoliant pour le cuir chevelu. Si vous voulez vraiment que cette recette fonctionne, il faut utiliser un exfoliant naturel. Donc j'ai choisi le citron. Vous pouvez utiliser l'orange ou n'importe quel autre citrus. Donc j'ai mis de l'eau que j'ai fait bouillir. Puis je vais laisser macérer pendant quelques minutes. Puis la recette sera prête pour être utilisée. Je vais donc l'appliquer sur mes cheveux. Je l'applique sur mon cuir chevelu avec des petits massages pour faire pénétrer. Je laisse poser. Je ne vais pas me laver les cheveux après. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser comme eau de rinçage, c'est-à-dire le verser sur votre tête après votre lavage. Dans mon cas, je l'utilise tout simplement pour comme une sorte d'hydratation pour mes cheveux, mais je l'applique surtout sur mon cuir chevelu. Vous pouvez faire des sections ou tout simplement vous pouvez le verser sur vos cheveux. C'est un tonique qui fonctionne super bien, que moi j'ai utilisé et qui aide vraiment à diminuer les pellicules. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Si vous aviez aimé la recette, laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye, hasta luego.